Finn versus Jake, que tout le monde réplique, ils vont faire des niveaux fantastiques. Jake le chien et Finn l'humain n'ont vraiment peur de rien. Finn versus Jake. Salutations tout le monde, ici Jake et aujourd'hui, voici donc une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2. Pour pas changer. Alors du coup, que j'explique un peu ce qui se passe. Alors, pour cette vidéo là, cette fois-ci, on va devoir compter un peu plus de points parce qu'on va encore faire des niveaux de Mario Maker 2. Voilà. Et cette fois-ci, on va devoir gagner un peu plus de points, c'est-à-dire réussir des niveaux, faire des records du monde, et si possible terminer en premier si on a de la chance. Ce qui me semble presque impossible parce que les gens dans Mario Maker 2, ils vont faire tous les niveaux qui que peu importe ce que c'est, ils veulent tous terminer en premier, rien que pour avoir des médailles. Enfin bref, passons. Alors du coup ce sera une vidéo plutôt chill, mais c'est normal, c'est parce qu'il y aura bientôt le tournoi vrai de vrai. Il y aura bientôt le véritable tournoi qui va commencer. Alors du coup, je tiens à me préparer. Ouais ! Pas trop ! Stitch, qu'est-ce que tu veux encore ? Pas trop. J'ai une lettre de Panthère Rose. Voilà. Où est-ce qu'il a écrit ? Bon, qu'est-ce que c'est ? Alors, cher Mickey, je viens d'accomplir ma mission. Finn actuellement se trouve en asile. Parce que j'ai fait un plan machiavélique et du coup ça a rendu Finn complètement fou. Il risque d'y rester au moins plusieurs semaines. Peut-être voire un mois. Signé Panthère Rose. Mais c'est formidable! Oh, ça y est! Ah. Panthère Rose, tu as réussi. Bon. Si vous permettez, j'ai une communication télépathique à faire. Ça c'est formidable. Panthère Rose, est-ce que tu me reçois? C'est moi, Mickey. Hein? Oui, c'est toi, Mickey. Je te félicite pour ta prise d'initiative. Tu as réussi à faire un plan beaucoup plus machiavélique que je ne pensais. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis machiavélique de toute façon. Du coup, pour te récompenser d'avoir accompli ton travail, et ce, de ta propre initiative, je vais t'envoyer un sac d'argent. Et voilà, un sac de pièces pour toi. C'est ta promotion. Tu es passé de larbin à sous-fifre. Un meilleur grade pour toi. Du coup, pour aujourd'hui, tu peux être en congé. Alors là, franchement, ça, c'est la plus belle journée de toute ma vie. Maintenant, ces autres couillons feront moins la grande gueule devant moi. Et je serai le plus machiavélique. Ha! Beaucoup plus que celui de cet appétit de Bowser. Tu as le droit d'être en patrouille. Vu que maintenant Finn n'est plus capable de faire des niveaux, de mon côté, je vais m'occuper de Jake. Et les vidéos de Mario Maker, c'est enfin terminé. Oh, j'ai obtenu l'argent. Excellent. J'espère que Jake va pouvoir recevoir la même chose. Bon allez, maintenant il est temps de jouer à Mario Maker 2. Hey Jake, qu'est-ce que tu veux? Je pensais que tu devais arrêter de me casser les couilles. Je pense que je dois te faire part de certaines nouvelles, si tu vois ce que je veux dire. Quel genre de nouvelles? J'ai pas le temps pour tes conneries. Sache que Finn n'est plus capable de jouer avec toi. Mais pourquoi? Parce que il est actuellement en asile. Du coup, il n'est vraiment plus capable de faire quoi que ce soit. Il risque de rester pendant très 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 longtemps. On dirait bien que une certaine personne vient de réussir à le rendre complètement fou. Je pense peut-être qu'un des niveaux l'a peut-être traumatisé ou quelque chose comme ça. Bon allez, je te laisse gros nul. Quoi? Finn est
Arrêtez, mais pourquoi? Pourquoi faire une chose pareille? C'est faux. Il ne peut pas faire ça. Si. Je tiens à préciser qu'il est vraiment en asile. Alors si tu me crois pas, eh ben je peux plus rien faire pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi la vie est-elle si cruelle? Comment peut-on aider Finn? Je pense que nous avons une affaire Finn à faire. Une affaire? On va devoir enquêter sur le pourquoi du comment. On pourrait sûrement aider Finn à ce qu'il revienne à la normale. Genre, on pourrait essayer de soigner par nous-mêmes. L'asile ne va pas l'aider, ça va plus le traumatiser qu'autre chose. Eh bien, de ce que j'en sais, vu qu'apparemment Finn serait genre malade, entre guillemets, on pourrait... Ah mais oui! Je viens d'avoir une idée! Est-ce que tu penses à ce que je pense, Franklin? Eh bien moi je pensais du coup à... Mickey! On avait pensé la même chose. Ouais. Mickey est le seul qui fait des potions bénéfiques et maléfiques. Si jamais on pourrait essayer de trouver genre une recette. Il faut qu'on trouve une recette qui permet à Finn de revenir à la normale. Mais comment on va faire? Le château de Mickey est bien gardé. Si jamais on se pointe, il va nous casser la figure. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse un plan. Allez les gars, suivez-moi. Là je suis vraiment pas d'humeur du tout à jouer à Mario Maker 2 sans que Finn soit là. Sans Finn, c'est pas drôle. Il faudrait trouver un moyen de s'en passer par la porte d'entrée. Comment on va faire? On peut pas passer par la porte arrière. La porte arrière, ben, je suis sûr qu'il la garde aussi. Et en plus, c'est l'endroit où il fait ses potions. La porte arrière. Moi, je peux pas y aller. Moi non plus. Moi non plus. Moi, peut-être. Ah, ouais, peut-être. Simba, est-ce que tu connais la taque tunnel? Ouais, je peux creuser des trous partout. Formidable! C'est ça que tu vas faire, Simba. Tu vas utiliser ton attaque tunnel. Donc tu vas... Bah, tu vas creuser. Et tu vas donc te faufiler à l'intérieur du château de Mickey. Si c'est le seul moyen, ça marche. Du coup, faudrait que tu trouves une recette parfaite pour que Finn retourne son apparence normale. Genre quelque chose qui pourrait, je sais pas, déstresser, tu vois. Ouais. Ce sera plus facile à dire qu'à faire, mais je vais quand même y aller. C'est parti. Me voilà devant le château de Mickey. Du coup, je ne pourrais pas passer par là. Si je passe donc par ici, ils sont déjà devant la porte. Ah, peut-être que... Il y a un petit trou. Peut-être que si j'arrive à utiliser l'attaque tunnel ici... C'est parfait! Je vais faire ça! Attaque tunnel! Ah, oh, c'est bien sombre ici! Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à passer par là.
Il me faudrait une autre sortie. Ça y est. Alors, me voilà donc à la salle des potions. Du coup, vous pouvez vous reposer, patron. Certes, Finn n'est plus capable donc de faire des niveaux. Là, j'ai carrément mis Jack en position latérale de sécurité, tellement il est en train de chialer. Ah, je peux enfin me reposer. Et du coup, pour anéantir Franklin, c'est toujours d'actualité? Bien sûr, tête de gland! Ça sera toujours d'actualité. Voyons voir. Non. Est-ce qu'il est cache? Non, c'est pas cette potion-là que j'ai besoin. Non. Non. Ah, qu'est-ce que c'est? Potion anti-stress. Permet de déstresser de tout ce que vous avez. Si vous êtes fou ou psychopathe, tout ce qui est en lien avec la folie, ça disperse tout de suite. Les ingrédients sont avec. J'ai rangé ça. Ce sera utile. Hein? Hein? Oh non, c'est l'alerte rouge. Quoi? Il y a un intrus quelque part. Soldats, allez-y. Oui, on va chercher. Il est où le bâtard? On va lui démonter sa gueule, il va pas comprendre dans ses yeux. Je suis sûr peut-être que c'est un coup de Franklin, parce que si c'est Franklin, là par contre, je vais lui démonter sa race. Putain, faut que je me taille. Putain. C'est bizarre. Le laboratoire est un peu en bordel. Pas trop. Quoi? Le laboratoire est un peu en bordel. C'est normal. Stitch? Quoi? Je suis sûr que c'est toi qui as foutu le bordel, de toute façon. Tu nettoies jamais derrière toi. C'est vrai, je nettoie jamais derrière moi, mais j'ai vraiment pas le temps de faire ça non plus. Aïe! Du coup, tu vas nettoyer le labo pour ta punition. Mais j'ai rien fait. Tu vas nettoyer le labo! Oh, mais c'est pas juste. Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire le sale boulot, hein? T'es tarte, va lui donner un coup de main. Tout de suite, chef. DJ. T'es tarte, ne fais pas de DJ pendant que tu nettoies. DJ. Mais arrête de faire ça, ça commence à me casser les couilles. C'est marrant. DJ. Ta gueule! Ça me fait chier! Alors c'est ça, hein. Ouais, on va chercher la potion, ouais. Ça va être facile. Ça va prendre du temps, mais ça va valoir le coup. Du coup, c'est parti pour le concoctage de la potion anti-stress. A few moments later. Parfait. La potion est enfin prête. Faudrait peut-être l'envoyer maintenant. On va l'envoyer en tant que colis express. On va l'envoyer au royaume des bonbons. La princesse chewing-gum va donc l'envoyer à Finn, et du coup Finn sera entièrement rétabli. Est-ce que je peux m'occuper de la potion? Ne vous en faites pas, je mettrai pas mes crottes de nez dessus. Sans façon, dinosaure violet, hein. Je préfère m'occuper moi-même, hein. Mais pourquoi? Je suis jamais utile. Bienvenue à la poste, Bradibou. Que puis-je faire pour vous? Voilà, j'ai ça donc à envoyer. En express, hein. En express, pas de problème. Alors, royaume des bonbons. Ah, ça fait longtemps que je suis pas allé au royaume des bonbons. Merci du coup pour votre colis. Je vais donc les mettre à la princesse chewing-gum. Ça y est, la livraison a enfin été effectuée. Maintenant, Finn, j'espère que ça ira mieux pour toi. Nouveau pot de terreau, c'est toi qui m'as frappé? C'est juste un accident. Un
un accident? Bah oui, de base, je voulais donner la potion pour Finn. Hein? Mais qu'est-ce qu'il a, Finn? Il était devenu fou, tu te rappelles pas? On m'avait pas dit, j'étais même pas informé, faut dire, j'ai trop dormi depuis trop longtemps. Comment ça se fait? Je sais pas, ça doit être à cause de Panthé Rose avec sa potion totalement bizarre. Ah, tu vois, ce sirop d'érable, là, là. Oh, ça explique pourquoi tu n'as pas voulu prendre la défense et pourquoi tu n'es pas apparu dans la dernière vidéo. Bah non, pourquoi? Oh. Bon, je tiens à te donner la potion et faut vite que tu sauves Finn parce que sans Finn, Jake ne sait plus quoi faire. Mais c'est horrible! Pourquoi? Pour faire les nouveaux vidéos de Mario Maker 2. Oh, mais c'est encore pire que ça! Donne-moi la potion, s'il te plaît! Oh, y a pas de problème. Oh, merci! Que la force soit avec toi! Maintenant, je retourne dans l'île des héros, centrale. T'inquiète pas, Finn! Je vais venir te sauver! C'est drôle parce que j'ai l'impression d'être Peach. Sauf que moi, je me suis jamais kidnappé. Enfin, quelquefois, dans la version Adventure Time, mais bon, voilà. Sans vouloir te contredire, normalement tu ne devais pas être scientifique et combattante. Combattante, c'est sûr, mais scientifique, on n'est pas dans la même version, hein. Blablabla. Finn, mon amour. Non, pas de niveau maudit. J'en ai marre le bol. Oh, mais tais-toi et bois, s'il te plaît. Le tais-toi, je voudrais pas te le dire méchamment parce que... Mon favori, bois-le. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu étais devenu fou à cause de Super Mario Bros 3. Ce n'est pas seulement à cause d'un niveau, c'est à cause d'Homer. Il m'a fait perdre du boulot à force de dire loser. Alors là, franchement, ce mec, il méritera une bonne baffe. Je te le fais pas dire. Et en fait, où est-ce que nous sommes? À l'asile! Mais ce n'est pas vraiment de l'asile! C'est juste... Ah oui, ça ressemble pas vraiment à l'asile. Oh. Et dis, en fait, ce potion, il a été fabriqué par qui? Ah ça, c'est une bonne question, et le Brady Boom m'avait jamais en parlé. Ça, autant pour moi, ça venait de Franklin, ainsi que les autres. Il voulait que Jake... Non. Ah oui, c'était de la part de Franklin ainsi que de ses amis. Ils ont créé de la potion pour que Finn va mieux, si vous voyez l'idée. Mais attends une minute et Jake, il se fait du souci pour moi? Oui. Quoi? Oh mon Dieu! Faudrait que je crée une lettre pour dire de lui rassurer. Et on va refaire une nouvelle niveau de Mario Maker 2, mais ça va prendre 2 secondes. Deux secondes, déjà 2 heures? Ouais, exactement. Bon bah, là il faut que je dois y aller sur l'île centrale, sinon il y aura des proches qui vont faire du souci pour moi. Ils s'appellent comment? Je sais plus, mais je dois y aller. Mina, c'est un drôle de nom. Je sais plus. Mais non, je sais qu'ils s'appellent même pas. Je sais plus, mais. D'accord. Bon bah, en tout cas, j'espère que Jake va mieux. Many hours later. J'ai pas d'humeur là. Hey Jake! Quoi? Ça y est! J'ai un message de la part de Finn. Ah bon? Ouais, regarde! Quoi donc? Alors, salut mon fidèle ami Jake. Actuellement, je vais beaucoup mieux. Je remercie du coup Franklin. Je remercie Franklin et son équipe de m'avoir soigné. Maintenant, on peut reprendre les vidéos de Mario Maker 2. Alors, prépare ta manette pro et allons nous amuser. Mais c'est génial! Finn se sent mieux! Franchement, merci beaucoup. Je suis vraiment content, merci. Oh, derrière, c'est normal. Du coup, t'es prêt à jouer? Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti! A few moments later. J'ai dû mettre un peu de temps. Parce qu'en fait, je viens de découvrir quelque chose. Le niveau Super Mario Bros 3 Final Castle, en fait, j'avais constaté que le niveau était maudit. Ce qui explique pourquoi Finn est devenu fou. En fait, c'est simplement parce que le niveau a été maudit. Je me rappelle pas d'avoir fait ce niveau, ni que Prince of Darkness l'ait fait. J'ai l'impression que ça a été
d'un plan machiavélique de Mickey. Alors du coup, j'ai commencé donc à me poser des questions, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit que j'allais refaire le niveau. Cela veut dire que le niveau est maintenant purifié. Finn devrait avoir moins de soucis maintenant à faire ce niveau. Cela dit, maintenant je vais faire les niveaux qu'on m'a demandé de faire. Alors apparemment, je dois en faire 4. Alors apparemment, je devais faire donc le super régular show. Oh, super régular show! Ah, oh, j'adore Regular Show, un dessin animé vraiment qui est de la bombe. Est-ce que ce serait le parc? C'est peut-être le parc. Ça doit être le la petite maison là de ce que Mordecai et Rigby doivent dormir. Bon, on va peut-être entrer. Hein. Pourquoi on peut pas entrer? Ah, oh, j'ai compris, c'est Benson. Benson refuse catégoriquement que je rentre. Ah mais quel fumier! Ou alors c'est Mordecai Rigby qui ne pour dire que je suis pas assez cool pour rentrer, c'est ça? Bon bah, j'ai plus qu'à rentrer par cette porte. Mais je crois que je sais pas, mais est-ce que c'est Skips qui m'envoie à la porte? Oh sérieusement, ça, je le vois mal en train de rire de moi. Hein. Ah! Oh non, c'est Monsieur Musk les Phantom Frappeurs! Oh, mais ils ont carrément cassé leur lit! Vous êtes malade? Tu me donnes ta pièce, connard? Ah! Mais attends! Je peux tuer Phantom Frappeur avec ça? Phantom Frappeur et Monsieur Musk sont morts. Ah, oh, mais ils sont revenus à la vie! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, la télé! Bon, y'a quoi la télé? Oh, y a rien du tout, y a même pas y a même pas le jeu des zombies 5 là. Y a le jeu des zombies 4, y a pas le jeu des zombies 5. Hein? Est-ce que c'est Rigby ou alors c'est Benson qui est en train de me qui veut me tuer? C'est Benson parce que c'est le genre de gars qui veut ma mort. C'est censé représenter. Ah non, alors c'est ça Mordecai et Rigby. Va-t'en Rigby. Oh, vous êtes pas gentil hein. Franchement, je suis votre plus grand fan et vous osez me tuer. Ah, est-ce que c'est ça qui est censé représenter Benson? Ou je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je me souviens pas avoir trouvé Pops. Aïe. Va-t'en, va-t'en. Ah, non. Mais, oh, vite. Oh non, c'est... Yasta. Alors, qu'est-ce que ça me sort? Une fleur de feu. Bon, allez, je vais le tuer, ça va être une partie de plaisir. Hein. Attends. Bon, j'ai la clé, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant, la clé? Oh non, je suis bloqué. Wouhou! Ah, c'était pas mal. Bon, j'ai pas fait le record du monde, mais je me suis fait battre. Par un hamburger? Je me suis fait battre par un hamburger? Franchement, je suis content. Allez, niveau suivant. Super Mario Basique. Oh, je crois le savoir. C'est la sorte de Baldi Basique édition Mario. Mario va devoir aller à l'école pour savoir bien faire les mathématiques. Sauf que je suis pas Mario, je suis Luigi. Donc c'est Luigi qui va devoir aller à l'école. Donc ce serait plutôt Super Luigi Basique. Goomba plus champignon égale un Super Goomba. Ah, d'accord. Ah, ok. Un petit et un grand. Je suis sûr que la réponse est un petit. Oh. Oula, c'est sûr que c'est... Si c'est la façon Baldi, alors ça veut dire que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il y a 3 Goombas... C'est sûr que là, on risque... Oh! D'accord. C'est Baldi qui veut donc essayer de me tuer. Évidemment, il est là. Tu sais quoi? Vu que tu me casses les couilles, du coup, on va te buter. Ouais, je crois bien que c'est pas une bonne idée. Maintenant, il est pas content, hein. Ok, il est pas content. Oh! Alors, 2 plantes vertes et 2 plantes noires.
Oh! Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? En général, bol. Tu sais quoi? Tu commences franchement à me les briser. Voilà. Oh, oh non, s'il te plaît. Vite. Oh. Oh. C'est chaud, mon petit coco. C'est chaud, mon petit coco. Ah. Wow. Oh, il est pas content. Oh, il est pas content. Je peux... Ouh, qu'il est pas content. Hé, j'ai une surprise pour toi. Tu sais c'est quoi? Au revoir. Baldi est niqué, Baldi est niqué. Wouhou! C'était cool. Dans les dents, Baldi! On me l'a fait pas deux fois, hein. Tiens, il vient de faire Marvel's The Cat Sonic Zone 4. Ah ouais, du coup, il a fait la Zone 3 et du coup, après, il a fait la Zone 4. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais faire la grotte mystérieuse. Mario sera le premier à découvrir la grotte. Ah bah, Luigi va devoir s'en occuper, hein. Jusque-là, à présent, c'était facile. Mais est-ce que ce serait peut-être pas trop facile? Je ne sais pas. En tout cas, Luigi va devoir découvrir la grotte. Des taupes. Et il se cache sous la terre. Ouais, bah évidemment, hein. Moi, j'aime bien Super Mario World. Les niveaux à Super Mario World, c'est super. Aïe, bordel de chiottes, hein. Ne pense pas que j'ai abandonné tout de suite, hein. Ah, les os dans la tronche. Non, c'est pas possible. Ah, non. Vous vous calmez, hein. Premièrement, vous vous calmez, hein, parce que si vous vous calmez pas, je vous fous des droites dans la gueule. Oui. Oui. Ah non. Ah non. Pourquoi l'autre envoie une boule de pic sur lui, et du coup, j'ai pas pu le sauter dessus, quoi. Toi, tu mènes des débutis. Quel est le meilleur moyen le plus radical? Raté. Et voilà. Leur compte est bon. Niveau terminé. Toujours pas de record du monde? Oh. Alors là, je suis bon. Je l'ai fait plutôt vite, ces niveaux. Bah du coup, c'est-à-dire que les vidéos sera pas très longue. Jake, je pense qu'en fait, vu que tu arrives très très bien, tu devrais peut-être faire un niveau encore plus dur. Ouais, allez, allons-y, qu'est-ce que tu veux que j'essaye? J'entendais dire qu'il y avait un Super Mario World troll. Un troll? Tu veux dire celui-là? Ouais, tout à fait. Mais pourquoi faut m'infliger ça maintenant? Oh, ça se voit que c'est abusé. Aïe! Oh, il y a des freins marteaux! Freins marteaux! Oh! Allez! Oui! Non! J'étais sûr, je suis sûr qu'il y avait un plan foireux quelque part. Et en plus, j'ai trouvé un power up directement. Trop bien! Yasta! Mais... Ah non! Ah oui, j'ai compris! Oh non! Et fais chier! Non! Et renard! Du coup, on va attendre que les gosses se terminent. Voilà! Oh, mais pourquoi il y avait ça? On s'en fout. Hein. Ah, frère marteau. Oh, glugle. Ouh, les frères marteaux. Je n'aime pas les frères marteaux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai découvert un truc. Ouais. C'est impossible de passer. Est-ce que c'est le bon endroit? Non! J'aurais dû choisir la plateforme en dessous.
Non. Est-ce que tu veux pas plutôt abandonner Sibo et passer à autre chose? Tu te fous de ma gueule? Hors de question que j'abandonne ce niveau, hein. Pas question, hein. Aïe, je pense que cette fois-ci, tu devrais pas abandonner. Chut, le caméraman. Chut. Abandonne. Et juste une petite parenthèse, vous aurez pas du scotch pour lui? Non. Framarteau de malheur. Oula, on se concentre. 2, 3, 4, non! Pourquoi ce drapeau? Bonne question. Ouais? Et du coup, je fais comment pour passer, hein? Je fais comment? Oh! Ah, j'ai peut-être trouvé un truc. D'accord, mais... Est-ce que je me ferais pas tuer volontairement en faisant ça? Bien sûr. J'aurais peut-être dû y penser plus tôt parce que j'étais en plus passé là-haut, quoi. Oh! Oh oh! Oh oh oh, j'ai été malin là! Ah, pour le coup, j'étais malin! Appelez-moi Jake le malin! Mais non! Là, pour le coup, j'ai beaucoup moins ragé sur ces niveaux-là, parce que si ça continue, ça ne va pas le faire, hein! Non! Adieu, bonne nuit. Chut! Chut! Mais le jeu est possédé! Ah! Tu vas arrêter tout de suite de faire du bruit parce que ça commence à devenir chiant, hein? Ce jeu, il est maudit. Mais même Luigi, il est maudit. Regardez-le comment je galère. Je me demande si j'ai pas oublié quelque chose et que je m'en avais besoin, mais... Ah, un bloc caché ici! D'accord! Si j'avais su! Oh, wow. Ouf! Ah! Si j'avais pas cette étoile, je n'aurais pas survécu. Ah, j'ai pas fait le record du monde! Terminer les niveaux sans record du monde? Pas question! Je vais recommencer! Yeah! En 58 secondes! J'ai fait le nouveau record. Là, je suis content. 57,83 secondes! Yes! Ah, un record du monde! Ça suffit amplement. Du coup, Finn, à toi de jouer. Moi, pendant ce temps-là, je vais me préparer pour la prochaine vidéo. Elle sera particulière. De ce que j'ai entendu, bien sûr. Salut tout le monde, ici Gauchetrouf pour vous laisser un message très important. Alors, vu que Jake a réussi des niveaux et qu'il a fait un nouveau record du monde, alors laissez-moi vous dire quelque chose. Jake a donc fait beaucoup de prouesses pour participer dans ce cas pour la prochaine vidéo qui aura lieu très bientôt. Donc avant de commencer par Finn, laissez-moi vous dire quelque chose. Jake est donc apte à faire la prochaine vidéo qui va s'appeler le plus grand tournoi. Le grand tournoi Mario Maker 2. Cette fois-ci, ce sera l'officiel. Bon, d'un côté maintenant, vous le savez en avance. Mais du coup, il faudrait que je dise quelque chose à Finn. Finn, tu as donc des niveaux à faire. Tu vas devoir prendre ta revanche sur Super Mario Bros 3 Final Castle. Ensuite, tu dois refaire le Mirror Mansion. Et après, tu feras Super Castle Run. Mais sache que ces niveaux ne seront pas suffisants. Parce que je viens de consulter tes points. Tu n'es pour l'instant pas apte à faire le tournoi. Du coup, ce que je te demandais de faire, si du coup tu as un peu de temps, ce serait donc de faire des records du monde. Il faut que tu en fasses davantage. Parce que ça te fait pas assez de points pour pouvoir participer. Voilà donc la quête que je te donne. Tu fais ces trois niveaux que je t'ai demandé.
Et si t'allais faire quelques nouveaux records, ce sera bien. Mais surtout, si tu veux vraiment être sûr de pouvoir y participer, il y a d'autres niveaux quand même à part cela. Que tu peux sans doute faire un nouveau record. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux montrer tes talents de gagnant, de speedrun, pour montrer à Jack à quel point tu peux être fort. Si tu y arrives, dans ce cas, je te laisserai une place parmi les adversaires face à Jake. Je suis désolé, tu as besoin de points. Je sais que tu peux y arriver, Finn. Allez, maintenant, à toi de jouer. Alors oui, excusez-moi pour cette interruption à cause de Homer Simpson, mais sérieusement, on dirait qu'il a atteint le même niveau qu'un fanboy toxique de Pokémon, ou il y a encore un fanboy toxique de Nintendo qui se plaint tout le temps, tout ça juste pour des petits défauts de rien du tout, tout ça pour juste pour un jeu vidéo, bon, comme lui j'imagine deux troncs de manoir, alors que le base, le but d'un jeu vidéo c'est de s'amuser. Pardon, bon donc oui, rassurez-vous, je reprends Mario Maker 2, mais bon voilà... La bonne nouvelle, ce que je vous annonçais, c'est que refaire des niveaux, Super Mario Bros. 3 ne me paraît pas un problème du tout. Mais le problème, battre les records, c'est pas du tout mon truc. Donc, niveau chance pour que je puisse obtenir le prouesse, c'est peine perdue. Bon, mais bon, voilà, ça va prendre un peu plus de minutes que d'habitude, donc ça va peut-être être un problème. Dans le pire des cas, je ferai dans un autre partie et... malheureusement, vu que la vidéo, je veux pas que la vidéo dure une heure, donc si vous comprenez de quoi je parle, donc si je vais battre les records, ce sera dans le pire des cas, je vais faire des petits montages pour battre les records, mais enfin si vous voyez l'idée. Bon, on va pas perdre du temps, on va commencer par Super Mario Bros. 3 Final Castle, en espérant qu'il sera mieux que les autres. Enfin, quand je dis les autres, c'est-à-dire, j'espère qu'il sera mieux que l'autre niveau body. Hein. On va juste skipper les trucs que j'avais déjà fait la dernière fois, parce que honnêtement, les recyclages, c'est pas du cadeau du tout. Alors, cette fois-ci, on va juste prendre une fleur pour Bowser, en espérant que ça va bien aller. Oh pitié, non. En fait, c'est ça le véritable problème de Super Mario Bros. 3 de la version Mario Maker 2. C'est super bien fait en termes d'animation, mais sauf que le problème, c'est Bowser. Normalement, de base, Bowser, il ne bougeait pas. Il se contente de tirer sur Mario avec ses boules de feu. Mais malheureusement, à cause de sa pattern, il fait n'importe quoi, il bouge n'importe où et... ça déconcentre, ouais. Alors que la version Bros 3, l'original, dès qu'il essaie de nous égrabouiller, il nous vise, alors que là, il fait n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que... Super Mario Bros 3, c'est bien, mais bon, voilà, il y a certains trucs qui sont moins bien que de la version originale. Enfin bon, je vais pas faire mon chipoteur comme un fanboy de Pokémon, ou bien un truc des conneries dans le genre « Oh, c'est nul parce qu'il y a trop de manoirs dans Luigi's Mansion 2 !» Non, c'est juste mon opinion, mais bon, voilà. C'est juste dommage. Oh, c'est pas vrai, mais comment voulez-vous que je batte le record dans ces conditions? Oh, c'est impossible! C'est comme si je mangeais avec... les frites avec du cuillère, c'est impossible! Putain, mais t'étais mignon Mario, en version originale quand tu fais pas n'importe quoi, sérieusement! Bon, ok, j'arrête de râler, je vais devenir fou. Je vais pas redevenir fou parce que déjà, rester quelques jours dans l'asile, c'est peut-être pas beaucoup, je l'accorde, mais voilà! Je veux pas ressembler le même cauchemar! J'espère qu'honnêtement, je vais plus revoir Bowser. Oh merde! Fils de... enfin! Quoi? Tu veux que je fasse l'amour avec des champignons? T'es malade! Et en plus, je ferai pas une telle chose à la princesse Chewing Gum, t'es malade! Ouh. Bon, niveau fini et... Juste bon, d'accord, il me propose un défi de battre le record, mais j'espère qu'au moins que les niveaux qu'il fasse du premier coup, ça compte. Bah oui, 3 minutes 42, comment veux-tu que je batte le record dans ces conditions? C'est impossible.
Bon, on va passer aux choses sérieuses. Mirror Motion, en français, ça voudrait dire manoir à miroir. This mirror are normal is their parallel world. Bah, apparemment, ouais. 11 et 37 secondes, apparemment. Ah, d'accord, j'ai compris. Ça doit être un sort de puzzle. Je me trompe. Allez, quoi? Oh, ça fait penser à Mario Kart avec les coupes miroirs. Ou bien Zelda avec la Master. Ouais, la version difficile de. Enfin, si vous voyez de quoi je parle. Je sais pas ce que c'était, mais c'était bizarre. 1 minute 6. Mais ça. Ça va pas être possible, les mecs. Ça va pas être possible de faire des niveaux comme cela. Oh. Super Castle Run. 2. Oh mon dieu. Jusqu'ici, j'ai fait des niveaux du premier coup. Mais là, j'avoue que j'ai peur quand même. Les speedruns, c'est pas mon truc. Non, mais il aurait quand même pu marquer Mario vole la vedette de Sonic. Allez. Ah, mais. Pédotwomp. N'empêche que le conseil de niveau est franchement bien foutu. C'est bien que le fait que Nintendo ait pu penser à faire des niveaux comme Mario Maker 2, enfin que le fait que l'on puisse être ouvert d'esprit à des niveaux de Mario, de Super Mario, ça renforce la qualité de la créativité des jeux vidéo. Et c'est ça ce qui est bien chez Nintendo, que le fait que le jeu soit créatif, mais ce qui est pas bien, c'est que je galère dans ce putain de niveau. Gros mots, c'est pas bien de dire des gros mots. Mais tu te crois drôle, c'est ça? Hein? Tu te crois drôle? Putain, mais Super Mario Maker 2, non mais franchement, super torture de. Alors, j'ai déjà fait cette blague en plus, donc ça sert à rien de ce que je refasse. En plus, je me mets à avoir le syndrome du genre du grenier. C'était pas moi, c'était Homer. Oh, en plus, le pire, il a réussi à me rendre ma boule, ce mec. Yeah, j'ai enfin fini le niveau. En fait, il y avait un glaçon. Ah, franchement, je me prends pour un loser maintenant. Oh! 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 Oh, yeah! J'ai peut-être pas réussi le niveau du premier coup, mais j'ai réussi à battre le record! J'espère que celle-là, ça sera un exceptionnel. Oui, je sais que cette vidéo a été truquée, je sais, je suis tout à fait conscient, mais juste que, voilà, pour vous expliquer, refaire des niveaux alors que les gens, ils ont déjà vu, c'est vraiment chiant, comme je vous l'avais dit, les trucs recyclés, c'est un peu chiant quand même, donc, c'est juste pour vous montrer que le fait que j'ai encore battu un deuxième nouveau record, Mirror Motion, voilà, regardez, voilà, ça, c'est la preuve, claire et nette. Cela dit, je pouvais pas montrer comment j'ai fait, parce que honnêtement, ça va prendre beaucoup plus de minutes, et donc voilà, comme je vous l'avais dit, je veux pas que la vidéo dure 1 heure, donc merci de votre compréhension. Donc ça donne le fait que j'ai battu 2 records. C'est vraiment génial, hein. Enfin, j'espère au moins être à ce que ça soit suffisant. Mais bon, je peux pas aller plus loin, parce qu'honnêtement, les autres records ont l'air d'être vraiment très durs. Donc, surtout avec celui du niveau de Paper Mario, qui a l'air très long et assez dur. Donc, enfin, je ferai peut-être un jour, mais voilà.
Si ça suffit, c'est cool. Si ça suffit pas, bah, on verra pour la prochaine fois. Ah bah, en tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui, malheureusement. Ouais, malheureusement, la vidéo sera pas plus longtemps parce que, voilà, comme vous l'avez dit, premièrement, on veut pas que la vidéo dure une heure. Enfin, si ça aurait été pour une tournoi, je vois bien, mais... Voilà... Faire des nouveaux records, ça sera peut-être un peu trop impossible. Il y a beaucoup trop de pros qui ont réussi à me battre, donc voilà, je peux rien faire. Ah oui, aussi, un petit truc que j'aimerais vous annoncer. Je sais que Morty et Steven, on n'a pas vraiment eu le courage, et ainsi que d'autres séries. À partir de maintenant, grâce à Jake, ainsi que sa bande, ils m'ont donné le courage de à ce que je fasse ma propre série. La série s'appelle Finn et sa bande. Dans quelle date ce sera, je vais pas vous le dire parce que arrêtez de poser des questions du genre c'est quand le DDD de défi extrême, quoi que ça d'autre, ça devient lourd à bout d'un moment. Et puis à quoi ça sert de toute façon? Vous n'êtes jamais vous complimentez jamais les vidéos. À part abasourdir votre haine sur des personnages détestables. Ça c'est un truc que vous devez arrêter. Ça c'est chiant. Bref. Désolé, mais les records, ce sera pour une autre fois. Mais sinon, j'ai quand même fait de mon mieux. C'est clair. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.